D'abord, on va commencer avec Charlotte Reiner. Merci beaucoup. Qui est tombé un peu dans le piano. Bienvenue. Ça fait tout bizarre. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais donc là tout est bien rangé, mais sinon j'ai des tas de boîtes, des petites boîtes partout ici chez moi, et je mets des tas de choses complètement inutiles dedans, qui sont reliées à des souvenirs. Donc des billets de train, de concert, des pierres trouvées sur une plage, enfin n'importe quoi.
Et puis voilà, je mets ça dans des boîtes. Et j'avais une petite histoire à vous raconter par rapport à ça. Et on a fait un concert dernièrement avec Antoine qui m'accompagne, qui a failli s'endormir pendant mon histoire. Mais je vais vous le raconter quand même. Et donc voilà, il y a quelques années, j'étais au Brésil et je suis arrivée tard le soir et j'étais tout de suite dans un café très connu où a été écrit la fille d'Ipanema. Et donc là, j'ai bu des caipirinhas, mais la caipirinha locale est deux fois plus forte. Et donc en rentrant, je dormais chez l'habitant, donc en allant avec mes valises donc c'est chez cette personne, je monte dans un taxi et c'était paradisiaque. Il y avait la plage d'Ipanema, les fenêtres étaient ouvertes, j'avais les cheveux au vent, la température idéale, et puis plus les effluves d'alcool, on va dire. Et là, j'ai entendu une chanson sur la petite radio du taxi, qui était vraiment une radio aussi tout à fait locale. Et une chanson vraiment extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on est avec nos iPhones, on fait Shazam et tout. Et là, il n'y avait rien du tout. Donc, cette chanson m'est restée en tête. Et j'ai passé toutes mes vacances, en fait, à essayer de chercher cette chanson que j'avais entendue. Et je ne l'ai pas retrouvée. Et le jour de mon départ, j'étais sur le palier, je disais au revoir. Et là, il y a quelqu'un qui a mis un disque et c'était la chanson. Et donc tout ça pour dire que ce que je vais jouer n'a rien à voir avec cette histoire. Mais ça fait quand même partie d'un très beau souvenir que je mets donc dans des boîtes chez moi. J'ai tout un tas de boîtes chez moi. Des boîtes à souvenirs, des boîtes à secrets. Je regarde à travers la vitre. J'y vois la pluie, j'y vois ton reflet. Et dans mes boîtes, il y a le pélico sur la plage, un taxi la nuit, mes cheveux au vent. Je regarde à travers la vitre, ben c'est celle-ci. C'est la première fois que je peux le dire en concert. Donc voilà, c'est la vitre qui m'inspire. Là, le haut chaussure en fait. C'est une chanson en anglais.
Chanson, c'est une balade et j'ai eu un cours de chant il n'y a pas très longtemps et je faisais un petit filage à ma prof, c'est-à-dire qu'on chante tout comme si on était au concert et elle voyait que j'étais un peu tendue donc elle commence à me dire qu'elle a été à un concert et qu'elle avait strictement rien compris au texte de la chanteuse et j'étais en train de me dire je vais lui chanter une chanson où généralement la moitié des gens ne comprennent rien. Voilà, c'est ma première composition musicale et je suis sûre que vous allez tout comprendre. Thank you.
Antoine avec moi qui est bassiste, mais aujourd'hui il est guitariste. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, on était dans les forêts enneigées, c'était assez magique, donc je me suis dit c'est une chanson triste, hein, très triste, je vous préviens, voilà. Et puis voilà, je me suis dit c'est peut-être un peu long, peut-être en enlever une, et hop, et à chaque fois c'est cette chanson-là qui part, et c'est très drôle en fait parce qu'elle s'appelle La ville fantôme, donc c'est la chanson fantôme, et même tout à l'heure on a hésité, on s'est dit on l'a fait ou pas. Donc, on a décidé de la faire, voilà, pour la première fois, ici, avec vous. Donc, très triste, hein, c'est pour ça qu'on l'enlève. Hein. Chacun de mes pas écrase l'ombre de mon corps.
L'avant-dernière chanson, chanson en anglais, à nouveau. Wake baby, give me a sign. Get the world, you're letting down. So many times I tried to show you away, 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 away. So much hurt is done, forgive me. So many times you play like a child. So go away, 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 away. One more drink to forget, one more time.
Perturbée, c'est le Coca-Cola. Je sens. Ah, voilà. Mon mi bémol est collé avec. Faut plus que je joue cette note. Voilà. C'est la dernière chanson. Que dire ? Merci en tous les cas de votre présence, vous êtes là. Et il y en a que je ne vois pas de côté. Donc cette chanson un petit peu à part, parce que c'est un clin d'œil, enfin un clin d'œil, un grand clin d'œil même, à ma grand-mère que j'ai connue il y a seulement quelques années. Voilà. Je suis moins professionnelle chez moi, c'est fou. Et non, mais en fait, voilà, donc j'ai pas connu cette grand-mère, et puis j'ai voulu la retrouver. Et donc en la retrouvant, ça a pris quand même pas mal de temps. On est allé dans l'Est pour aller chez elle, et dans le salon, il y avait tous les cousins de Django Reinhardt qui étaient là. Et voilà, on n'était pas du tout au courant du lien de filiation. On avait, donc c'était assez incroyable parce que je suis musicienne, ma mère est musicienne, s'est mariée avec un guitariste, et on s'est retrouvés avec tous les Reinhardt dans le salon. Voilà, donc c'est une chanson un peu qui s'appelle Zigane. Voilà. J'ai failli jouer le mi bémol, j'ai eu peur.
Voilà, je viens donc de faire un disque qui a 7 titres et qui est là. Et voilà, il n'est pas encore distribué, il sort vraiment du four, les cartons sont dans la chambre derrière. Donc voilà, si vous le voulez, c'est maintenant en fait. Sinon, c'est, voilà, on ne le trouvera pas à la FNAC. Merci beaucoup, et puis ben, place à Émilie. Voilà. Merci. Merci. Avec Emily Jane White en 10 minutes. Et merci beaucoup encore à Charlotte Reinhardt.